Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce sixième Soyons Foot. Cette semaine, on va parler de Benzema, de légende de football, de Ligue des Champions et de plein d'autres choses. On y va, c'est parti. Benzema s'est excusé non pas à Didier Deschamps mais à Vinicius Junior. La semaine dernière, en Ligue des Champions, alors que le Real Madrid était mené 2-0, Benzema a été surpris à la mi-temps en train de parler avec Ferland Mendy. Il parlait au sujet de Vinicius Junior, lui fait pas la passe, sur la vie de ma mère, il joue contre nous, etc. etc. S'en est suivi une petite polémique, voilà, Benzema parle mal de Vinicius, etc. Benzema s'est excusé auprès de Vinicius Junior. Aujourd'hui, tout va bien, il y a eu des petits échanges d'emoji par-ci par-là sur Instagram, l'affaire est close. Hier, le Real Madrid a quand même réussi à sortir la tête de l'eau avec un 3-2 face à l'Inter Milan. C'était juste, mais ils l'ont fait. Il va falloir cravacher pour aller la chercher cette victoire. L'Olympique de Marseille que je soutenais à la base m'a totalement déçu. Ils ont été mauvais. Ils ont encore perdu et 3-0 pour le coup. À Porto, 3-0, ça veut dire tard, tu quittes le match, lâche la manette. Statistique, ça fait juste ici. On enchaîne avec les pronostics parce qu'on est totalement nul à ce petit jeu, mais on se mouille quand même. On commence avec le Paris Saint-Germain qui jouera Leipzig. Je dis 2-1 pour le PSG parce qu'il faut gagner, les gars, Dauphin. 2-0. 2-0. Je demande toujours à mon équipe les pronostics, c'est important. Alexis ? Match nul. Maintenant, on passe au match de Rennes qui jouera Chelsea. Pour ma part, je pars sur un 2-0 pour Chelsea. Je pense que ça peut être compliqué pour Rennes ce soir. Dauphin, 4-1 Chelsea, 3-1 Chelsea. Ça promet des buts pour ce soir. Ne nous suivez pas en prono. On n'a jamais les bons. Et la grosse moula de la semaine, c'est R7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a été arrêté pendant 15 jours, la faute à qui ? À la Covid-19. Il a d'ailleurs tapé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. PCR de merde. Cristiano Ronaldo est donc revenu le week-end dernier alors qu'il n'avait aucun entraînement dans les jambes. Il commence remplaçant. Il rentre à la 56e minute. Il claque un doublé derrière. Ni l'âge, ni les blessures, ni la Covid-19, ni le FC Barcelone, ni personne ne peut arrêter Cristiano Ronaldo. Où va-t-il s'arrêter ? Arrête-toi ! Arrête-toi, à un moment, regarde-toi dans la glace. Comment ta copine, elle fait pour rester avec toi ? Le tacle à la gorge cette semaine, c'est pour les clubs français en compétition européenne. Pourquoi ? Week-end dernier, je me baladais sur les réseaux sociaux, les social networks, et je tombe sur quoi ? Sur un article. Alexis, est-ce que tu sais combien on est dans le classement UEFA ? Quatrième ? Non. Cinquième ? Non plus, on est 12e. Vous voulez savoir qui se trouve devant nous ? Il y a la Norvège, la Hongrie, Israël, la Belgique. Il y a un tas de monde devant la France. Les équipes françaises, si jamais vous passez par là, je m'adresse directement à vous. On va devoir commencer à gagner un peu en Ligue des Champions, en Europa League, parce que là, l'année prochaine, on va se retrouver à faire un Paris Saint-Germain battre Borisov en barrage pour des qualifications en Ligue des Champions. C'est pas comme ça, les gars. Jeune Dauphin m'a prêté sa ceinture en cuir de vachette. Oh, excellent. Ils ont mérité cette petite correction. Oh. Dans la boîte cette semaine, c'est encore lui, l'homme âgé de 39 ans, Zlatan Ibrahimovic. On avait parlé de lui il y a quelques semaines sur sa Porsche qui s'était payée pour son anniversaire cette semaine. Il a frappé et cette fois-ci sur le rectangle vert. Le Milan AC et l'Udinese faisaient match nul. Il y avait 1-1 jusqu'à qu'Ibrahimovic débarque à la 82e minute. Il tape une retournette dans la surface. Pas trop acrobatique, c'est vrai, mais c'est du grand Zlatan. Il a permis d'empocher les 3 points au Milan AC et le club reste toujours premier de Serie A. En parlant de cette retournette, je suis obligé de parler de moi très rapidement. Rapidement, Louis, tu sais que je la maîtrise, s'il te plaît. Montre ça à tous nos téléspectateurs. Oui ! Comment il sait faire ça ? Allez. Cette semaine, dans la Gazette de Medellín, on revient sur une légende qui a fêté ses 60 ans cette semaine, Diego Armando Maradona. En plus de ça, il a été hospitalisé hier, donc on lui souhaite un très bon rétablissement. Ne t'en va pas tout de suite, Diego Armando. Je ne peux pas vous en raconter qu'une seule. Maradona était un joueur exceptionnel, mais aussi un personnage très fantasque. Donc on vous a fait une petite sélection de quelques anecdotes. Hé, Maradona. En 91, Pablo Escobar était incarcéré dans sa prison privée, dans sa prison de luxe. Maradona est parti le rejoindre, histoire de faire un petit foot dans un premier temps, histoire de faire une petite fête dans un second temps. Et le lendemain, Maradona, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a pris sa petite quicheta parce que Escobar l'a payé et il est retourné jouer en professionnel.
Maradona. Un jour, Diego Maradona s'est envoyé un peu d'alcool, un peu de mélange lugubre. Il a disparu pendant 3 jours. Tout le monde se demandait, mais où est Maradona? Il est revenu au bout de 3 jours, donc ça fait 72 heures. Il a dit que c'était les extraterrestres qu'il avait kidnappés. Ah là là, ce Diego Maradona. Diego, est-ce que tu as rencontré d'autres animaux féroces? Oh oui! Hey, Maradona! On est en 1987, Maradona est un crack à Naples. Tous ses frères jouent au football, il y en a un qui joue déjà en Europe et il y en a un qui joue au Boca Juniors en Argentine. Les Maradona ont envie qu'ils viennent jouer également en Europe. Il y a le club en Espagne de Grenade qui est intéressé par le profil du joueur. Petit problème, le Boca Juniors demande 20 millions de pesetas, ce qui est énorme pour Grenade qui ne peut pas payer cette somme. Les Maradona décident de mettre en place un match amical dans lequel ils vont récupérer toutes les recettes des billets, etc. Lalo Maradona va quitter le Boca Juniors pour rejoindre Grenade. Diego Maradona parle en interview, il dit que Lalo est le meilleur de ses frères, que c'est lui qui va marquer l'histoire. Il arrive donc à Grenade, il met 2 buts en 2 matchs et c'est les seuls 2 buts qu'il marquera avec le club. Grenade, à la fin de la saison, descend en division inférieure, donc c'est un véritable naufrage. Lalo Maradona n'a servi strictement à rien. Encore un coup de Diego et de ses frères. La question du COP, cette semaine, on m'a demandé, Colombien, qui est ton joueur préféré? C'est assez compliqué pour moi de vous en dire un comme ça, parce que là, en réfléchissant très rapidement, je vous aurais dit Lionel Messi. Mais le joueur, moi, qui m'a marqué, même si je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, c'est Ronaldo El Fenomeno, Luis Nazario de Lima. En top 1, voilà, c'est Ronaldo. En deuxième position, je vais dire Lionel Messi, très logiquement, parce que c'est un joueur que j'ai vu jouer, je suis un supporter du FC Barcelone, et qui me régale à chaque match. Et en troisième position, c'est l'ex numéro 6 du FC Barcelone, Xavi Hernandez. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un joueur qui m'a fait rêver au milieu de terrain avec sa vista, son jeu de passe, je cours, je long, c'était fantastique. N'hésitez pas vous aussi à nous donner votre top 3 dans les commentaires. Voilà la famille, merci d'avoir assisté au 6e Soyons Foot. Petite précision, on repasse le mercredi à 17h, donc voilà, vous avez dit 19h, etc. Là, c'est bon, c'est fixé, mercredi 17h tout au long de l'année. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Soyons Foot puisque c'est la trêve internationale, donc très peu d'actualité. On se revoit d'ici 2 semaines, branchez-vous sur nos réseaux sociaux, vous serez au courant. Allez la famille, faites attention à vous, Covid, tout ça, machin. Où tu fais la danse de pop. Oh là là là.